Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur France MAO, je suis avec mon ami Antoine et notre invité Dominique. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va bien, merci. Hello, salut tout le monde, ça va bien. Ça va bien. J'espère que ça va aussi de votre côté. Ouais, on espère que vous allez bien, donc coucou à tous ceux qui sont présents sur le chat. Comme d'habitude, Antoine va gérer donc la partie chat, hein. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à notre invité. Moi, je suis très heureux, Dominique, de t'accueillir sur ce live. C'est vraiment un immense plaisir parce que il y a depuis quelques années quand même, j'ai l'occasion de te suivre sur différents forums, sur ce que tu fais, et puis j'ai eu l'occasion aussi de te voir en concert, voilà. Et donc on tenait aussi à afficher un petit peu les personnalités que Dominique a pu accompagner. Il y en a grand nombre. Tu pourras un petit peu nous en parler. Pour ma part, je t'avais vu sur le concert de Florent Pagny à Limoges et ça avait été vraiment un bon moment. Voilà, et puis il y a aussi d'autres personnalités qu'on peut voir derrière, hein, mais je vais te laisser un petit peu la parole, Dominique, ça sera quand même plus simple, pour que tu nous fasses un petit peu une présentation, on va dire un peu de ton parcours, et puis derrière, au niveau du chat, n'hésitez pas à interagir et à nous poser des questions, enfin à poser les questions à Dominique. Voilà, donc je te donne la parole, Dominique. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je suis d'abord très content aussi d'être là, d'avoir cette discussion avec toi, avec Antoine, avec toute la communauté. C'est vrai qu'on s'est croisés il y a fort longtemps sur les forums d'audiofanzine à l'époque. C'est vrai. Et puis finalement, on est toujours là. Hein. Ouais. La vie continue avec toujours beaucoup de choses. Mon parcours, c'est vrai que ça a été un parcours qui a été très riche dans plein de branches très différentes. C'est peut-être ça quelque part qui fait mon originalité, c'est-à-dire que j'ai commencé la musique à l'âge de 10 ans à peu près, en autodidacte. À l'époque, j'étais fan de Jean-Michel Jarre. Ouais, je voyais des lumières partout, je voyais les synthés, tout ça m'impressionnait beaucoup. Et donc, quand j'étais ado, j'avais remonté un petit home studio déjà, hein, à 13-14 ans, avec un séquenceur, des tables de mixage, des expanders, tout ça. Je mettais déjà les mains dans le MIDI. Génial. Et puis, un jour, j'ai découvert la musique classique qui m'a attrapé. Et j'ai commencé à faire des études, on va dire, un peu plus sérieuses dans le cadre, école de musique, conservatoire, etc. Ça a été, en gros, toute la période lycée, ça a été vraiment très, très intense, ça a été assez rapide, finalement. Mais quand j'ai eu passé mon bac, j'avais en gros mes prix de solfège, j'avais déjà un bon niveau de piano, qui était un peu mon instrument à la base, et surtout, je voulais devenir compositeur. D'accord. C'était un peu ça l'idée qui était la plus forte dans ma tête à ce moment-là. Mais en même temps, j'étais très très attiré par tout ce qui était technique, technologie et scientifique aussi. J'ai toujours été bidouilleur, j'ai toujours démonté tous les jouets que je pouvais avoir, je voulais savoir comment ça marchait. Je voulais inventer je ne sais quoi. Et donc, j'étais partagé entre la musique en tant qu'art et puis toute la technique qu'il y a autour. Et donc, je m'étais dit, je vais aller peut-être m'orienter vers les formations au métier du son. Donc, quand j'ai passé mon bac, c'était un peu l'idée que j'avais. Ouais. Préparer les Louis Lumière ou des formations de ce genre-là. Et puis, parallèlement, j'ai commencé à écrire de plus en plus de musique que je faisais jouer par des élèves dans des petites écoles de musique où j'étais moi-même élève, hein, où j'allais frapper comme ça. Est-ce que tu as un violon? Tiens, est-ce que tu veux pas jouer mon morceau, machin? Enfin, c'était c'était un petit peu voilà. Et donc, j'ai commencé à faire des classes au conservatoire de Bordeaux, de composition, de basse continue, d'accompagnement, de piano. J'ai fait vraiment plein de choses. Je faisais la fac de sciences à l'université de Bordeaux également. D'accord. Donc, physique, maths physique en même temps. Et j'étais vraiment partagé entre la science et la musique. Hein. Et à un moment donné, c'était trop de faire les deux ensemble. Il fallait bien quand même choisir. Bah, oui. Et en fait, je me suis dit, ça a été comme une révélation, je pouvais pas passer ma vie à travailler à côté de musiciens sans faire moi-même de la musique.
je me serais senti certainement frustré. Alors, j'ai mis un peu de côté les aspects vraiment purement scientifiques et techniques. D'accord. Et là, j'ai vraiment commencé à me former vraiment de façon professionnellement à la musique. Donc, des classes d'écriture, d'orchestration, de direction d'orchestre avec l'École normale de musique de Paris. J'ai eu tous les prix, etc. Et puis, c'est quelques années plus tard que j'ai rencontré Stanislas, le chanteur, compositeur Stanislas, qui était lui aussi issu des classes de l'École normale de musique de Paris en direction d'orchestre. Mmh. On s'était croisés là-bas. Il était quelques années avant moi, mais bon, on s'est quand même croisés. Et il cherchait un musicien un peu polyvalent, capable de diriger, de jouer du piano, d'accompagner, de faire des arrangements, etc. Il venait de sortir son premier disque et il avait besoin de quelqu'un pour aller sur scène avec lui. Génial. Moi, j'avais jamais travaillé dans la pop avant. Hein. Ouais. C'était vraiment le nouveau pour moi. Hein, bon. Et là, j'y allais un peu avec une casquette un peu de classique. Donc, finalement, ça a été pour moi, c'était assez marrant et c'était assez sympa à faire. Mais en fait, ça a été le début d'une grande aventure, d'une partie de ma carrière dans la pop et la variété. Puisqu'après ça, j'ai rencontré Amaury Vassili qui était en train de préparer son premier disque. J'étais, un peu embrigadé chez Warner pour faire tous les arrangements, les orchestrations. Et puis ensuite, il y a eu une rencontre avec Calogero, pareil. J'ai fait beaucoup d'arrangements avec lui, que ce soit pour des chansons pour lui ou des chansons que lui a composées pour d'autres artistes. Ce qui m'a permis de travailler avec, par exemple, Angoon, ou avec Françoise Hardy ou Florent Pagny. Enfin bon, il a écrit beaucoup de chansons pour plein d'artistes. Donc à chaque fois, il a amené un peu son équipe d'arrangeurs. Et à chaque fois qu'il y avait de l'orchestre, j'étais de la partie ou du piano. Voilà. Donc j'ai fait énormément de séances de piano pour de la pop et des séances d'orchestre. J'en ai fait, alors là, bon, la liste elle est longue, hein, on voyait tout à l'heure le petit panorama avec tous les albums. Ouais, et puis j'ai généralement soit des cordes, soit du piano. Ouais. Et là, il y en a eu beaucoup dans les années 2010 jusque 2015. Ça a été vraiment une période où j'en ai fait beaucoup. En même temps, il y avait les promos, hein, donc toutes les radios, les émissions de télé et tout. Donc ça a été très, très intense, hein. C'est une période où je travaillais beaucoup. En tant qu'arrangeur, on va dire, arrangeur ou pianiste dans la variété et dans la pop musique vraiment française. Il y a eu par-dessus ça quelques tournées. Les plus importantes, ça a été peut-être déjà la tournée... il y a eu des tournées avec Stanislas, ça c'était les toutes premières. J'ai fait une tournée avec Calogero, c'était la tournée symphonique. On était 60 musiciens, donc là j'étais pianiste. Ouais, puis j'ai fait aussi quelques orchestrations pour ça. Il y a eu une tournée avec Florent Pagny, tu évoquais les concerts avec Florent Pagny, donc on a fait plus de 70 concerts dans toute la France. C'était une grande tournée avec beaucoup de musiciens, c'était des très très chouettes moments. Une tournée avec Julien Clerc aussi, donc un artiste rien à voir avec Florent Pagny, encore un grand de la chanson française. Là c'était une tournée très intime, on était deux musiciens. Une pianiste et moi, et donc j'avais un peu la casquette de l'homme orchestre. Je jouais une dizaine d'instruments. D'ailleurs, il y a un journaliste qui avait fait un petit article. Je sais plus, c'était dans le Sud-Ouest, un truc comme ça. Il avait nommé l'homme orchestre. C'est vrai que bon, je faisais du violon, de la flûte traversière, toutes sortes de batteries. Je pouvais faire du clavier en même temps, faire un pied et puis une caisse claire. Enfin, je passais. J'avais vraiment un truc très complet. C'était assez marrant. Et on a fait 120 concerts, donc là c'est la petite carte qu'on vient de voir passer. Oui, la petite carte c'est... qui était... Attends, je vais te la remettre. Ouais, là, si tu peux revenir dessus, voilà. Ça, c'est... Et encore, il n'y a pas tout dessus, avant. Mais là, pendant 9 mois, il y avait 3-4 concerts par semaine. Ça a été éprouvant physiquement, parce qu'il faut quand même tenir le rythme. Mais c'était quand même une chouette aventure d'aller dans des salles, on va dire, de moyenne importance, parce que c'était des 300, 400, 500 places. Comme on était deux musiciens, ça permettait une proximité avec le public. C'était assez sympa. On est allé à l'île de la Réunion, on est allé en Angleterre, en Belgique, en Suisse, on est allé partout. Une grosse tournée, quoi. Ah ouais, c'était 120 dates, ça commence à faire. Il y a des artistes qui tournent et qui font encore plus que ça. Hein. Ouais. Mais moi, je suis pas fondamentalement un musicien de tournée, donc j'en ai fait quand même quelques-unes importantes. Mais c'était quand même lourd. Mais c'était ouais, j'imagine, ouais.
Parce que du coup, ça implique les tournées, mais ça implique aussi certainement aussi en amont, avant la tournée. Alors, il y a effectivement tout le travail de répétition, de préparation, mais bon, disons que quand t'as passé les 15-20 premières dates, bon, il y a toujours des petites choses qui changent, des morceaux en plus, en moins, mais tu commences à être vraiment rodé quand même. Est-ce que tu as été à un moment donné, parce que tu évoques ton parcours autodidacte, est-ce que ça a été stressant pour toi aussi à un moment donné de pouvoir gérer la scène au début, peut-être qu'avec Stanislas ou après par la suite Effectivement, au début, ça a été un peu compliqué parce que si tu veux, comme je disais, je viens quand même vraiment de l'univers classique, même si j'ai des racines enfouies sur la musique, on va dire. Pop électronique, la programmation Lumidi, tout ça, j'ai commencé par là, mais mon background, c'est vraiment la musique classique, c'est vraiment là-dedans qu'est ma culture profonde. Et un musicien classique, par exemple, il est pas habitué à jouer sur un clic, à tenir des croches au piano pendant 3 minutes sur un clic. Être très bon pour d'autres choses qui sont peut-être très complexes, mais de base c'est pas évident. Et mes premiers temps sur scène ou en studio, confronté à un clic par exemple, c'était quelque chose qui était pas évident. Ça paraît tout bête, hein, mais c'est la pratique de la pop m'a vraiment affermi dans la connaissance, la perception du rythme et la façon de se placer sur une pulsation de façon très très fine. Parce qu'on fait ça pas de la même manière dans la musique classique et j'ai trouvé que c'était très enrichissant dans les deux sens, hein, finalement. D'accord. Et donc du coup, tu parlais tout à l'heure de donc tout ce qui est musique classique, donc Opéra de Paris, Orchestre de Paris. Alors, Opéra de Massy. Opéra de Massy. D'accord. Oui. Ok. J'ai vu qu'il y avait... Paris, ça viendra peut-être un jour. Enfin, après, j'ai beaucoup travaillé avec des musiciens de séance. Donc, j'ai factuellement dirigé très régulièrement, très souvent, des musiciens de l'Orchestre de l'Opéra de Paris. D'accord. Mais j'ai pas été en tant qu'officiellement à l'Opéra pour diriger des opéras à l'Opéra de Paris. Peut-être ça viendra un jour. Bien sûr, on te le souhaite. Mais en tout cas, je connais bien les musiciens qui sont là-bas, pas tous, mais j'en connais quand même un certain nombre. C'est pareil de tous les grands orchestres parisiens, c'est toujours un peu les mêmes têtes qu'on voit dans les séances, sur les émissions de télé quand il y a de l'orchestre, etc. Voilà. Alors pour continuer peut-être sur le parcours, justement, il y a une chose que j'ai commencé à faire après mon bac, c'est d'enseigner. Et donc très tôt, hein, vers l'âge de 18-19 ans, j'étais déjà prof en conservatoire, en école de musique, premières expériences. Et en fait, ça m'a jamais quitté jusqu'à maintenant. Même quand j'avais les tournées, tout, j'avais quand même des directeurs assez conciliants qui acceptaient de me donner des petites disponibilités par-ci par-là, d'arranger un petit peu. Et donc j'ai enseigné tout ce temps-là jusqu'à maintenant. Sans discontinuer. Parfois c'était 2-3 heures par semaine, mais parfois c'était beaucoup plus. Maintenant c'est un petit peu plus. J'ai repris un peu des activités d'enseignement un peu plus conséquentes, de manière à avoir aussi, c'est un peu plus de confort parce que c'est des revenus plus réguliers que les tournées, tout ça. Mais je fais en sorte de me réserver quand même toujours du temps pour mon activité artistique personnelle, pour les projets, les musiques de films, les albums, quand il y en a, et il y en a encore, et tant mieux. Et Donc, c'est assez cool, ça. Parce que t'es quand même très multi-casquette. Je vois entre donc l'accompagnement, l'enseignement, bon, les tournées, je pense qu'il doit y avoir aussi beaucoup de collaborations, où à un moment donné, t'as peut-être aussi apporté ta patte en tant que compositeur. Donc voilà, après, bon, moi, pour avoir suivi aussi sur Audio Fanzine, on en parlait tout à l'heure, dans ce qui est construction de studio, dans la partie aussi qu'on verra en deuxième partie d'interview, qui touche aussi Delta Sigma, où tu pourras nous en parler sur la fabrication de machines. Enfin voilà, moi, je me dis des fois, mais comment il fait? Comment il fait pour gérer tout ça? Parce que c'est quand même, ça demande beaucoup de temps. Et beaucoup d'investissement et derrière tout ça, moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même un homme qui est hyper généreux
et en plus qui est hyper abordable. Et rien que pour ça, déjà, c'est super. Déjà, voilà, c'est super de Bah t'avoir écoute, avec nous. merci beaucoup parce que ça me touche beaucoup tout ça. Bah écoute, Mais c'est... c'est vrai que quand je dois me présenter à des gens qui me connaissent pas, quel est mon métier? Bon, bah, je suis musicien, quoi, ça résume un Bah peu. oui. Mais Mais c'est c'est vrai que vrai qu'il y a t'es... énormément de casquettes. Et Ouais. en fait, moi, je vois ça, enfin, ça me passionne, si tu veux, de comprendre. Je suis très curieux par nature. Et j'aime bien creuser les choses, quitte à passer des nuits blanches pour comprendre un papier de Ouais. l'AES en anglais sur le, je sais pas quoi, la transmission de signaux sous de certaines conditions. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui n'intéressent mais personne. Ouais. Et en fait, moi, c'est des trucs qui me passionnent. Et donc, il y a trop de choses qui me passionnent. Et pour moi, c'est aussi difficile parfois de faire un peu le tri là-dedans, C'est ça. Mais de c'est... mettre des priorités. Et malgré tout, bah, y a aussi les opportunités de rencontres, de travailler avec tel ou tel artiste, ou telle production, ou tel compositeur, ou Bien sûr. d'arranger telle musique, ou des projets, etc. Donc ça aussi, ça a un peu spécialisé. C'est vrai qu'au départ, l'idée de refaire un studio, bah, ça m'est venu. Disons que c'est quelque chose que j'avais, comme je disais tout à l'heure, un peu dans mes gènes, hein, dès le départ. À 14 ans, j'avais déjà un studio, mais j'avais laissé ça de côté et puis j'avais mis toutes les machines au placard, revendu les plus gros. Et en fait, le fait de remettre un pied dans la pop et dans la musique un peu, Ça on va te dire, rappelle à l'éthique l'ordre. actuelle, bah, ça m'a donné envie de renouer avec Ouais. cette passion pour le son, en fait. Et c'est quelque chose qui me vient peut-être de mon père, hein. Mon père, il était pas du tout dans le son, mais il avait une petite sono. Et je viens d'un petit village, hein, du Lot-et-Garonne, et donc il faisait les sonorisations pour tous les kermesses du village, les fêtes, les bals, les machins et tout. Et donc quand j'étais ado, bah, je l'accompagnais, on tirait les câbles, on branchait, les portait les tables de mixage, les enceintes, les micros, réglait les trucs et tout. Donc à 12-13 ans, j'étais déjà sur des petites Ouais. prestas à régler le son derrière la table de mixage. Donc ça m'a quand même donné un petit bagage, l'envie de creuser, quoi, le Bah son. forcément, ouais, ça. Et donc c'est quand même des années plus tard que je me suis dit, bah, en fait, maintenant, avec un ordi, une carte son, en fait, on peut faire plein de choses. À l'époque, Ça. c'était pas possible. Et du coup, bah, je me suis rééquipé petit à petit, et c'est là qu'est né le studio Delta Sigma, et qui a été un peu le cadre de mes activités, bah, d'arrangeur et d'ingénieur du son. Après, je le suis devenu, pardon, sur le tas, en fait, hein. J'ai pas de formation dans les métiers du son, alors que j'ai failli me former là-dedans, j'ai failli passer les concours, mais je l'ai jamais fait. Je passais les concours de direction d'orchestre à la place. Mais finalement, tu vois, cette multitude de casquettes, quand tu les prends séparément, tu te dis, mais c'est vraiment les opposés. Mais en réalité, pour moi, je ne le vois pas comme des choses qui sont aux antipodes l'un de l'autre. Pour moi, c'est juste une manière différente Bien d'accéder à la sûr, musique. ouais. Tu vois, quand je suis en tant que musicien, pianiste, avec sur scène un artiste de chanson, bah, le trip, c'est pas tout à fait le même que quand je vais Bien jouer, sûr. travailler une sonate de Mozart ou diriger une symphonie de Beethoven. Mais c'est de la musique. Et c'est de la musique qu'on va faire sous une autre manière, avec d'autres codes, avec d'autres aspects, quoi. Mais ça reste de la musique, et les sentiments qui sont véhiculés derrière, ils sont un peu universels. Bien sûr, ouais. Donc déjà, tu vois, moi dans ma tête, j'ai beaucoup gommé la dichotomie qu'on pourrait faire entre une musique savante, une musique populaire, une musique qui serait supérieure à une autre. Je crois que je suis peut-être une preuve vivante qu'on peut professionnellement travailler dans les deux branches sans que l'une marche sur l'autre. Et pour moi, c'est au contraire, c'est ultra complémentaire, quoi. Oui, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de me dire, que Ça, le c'est... fait d'être super à l'aise avec une partition, d'être capable de lire un score d'orchestre, de l'écrire, de transposer dans tous les sens, de le réduire au piano et tout, et d'être capable de lire des accords, d'une grille, d'improviser un peu dessus, dans différents styles, bah, c'est des compétences qui sont vraiment complémentaires, tu vois. Et l'une abîme pas l'autre, quoi. T'es pas un Oui, c'est moins bon ça. musicien classique parce que tu fais de la pop, ou t'es pas un moins bon musicien de pop parce que Tout tu à fais fait. du classique. Les univers sont très vastes. Après, il y a des domaines, par exemple dans le jazz, où moi, j'ai jamais mis vraiment les pieds. Il y a des choses qui me plaisent, d'autres qui me plaisent moins. Mais par exemple, tu vois, je m'aventure pas dans le jazz. Donc, je suis pas non plus. Je vais pas toucher toutes les casquettes, tu vois. J'ai des domaines dans lesquels je vais pas.
Antoine, je vais revenir vers toi par rapport au chat. Est-ce que tu s'il y a des questions Ça parle pas mal sur le chat là, mais Ouais. on a une ou deux questions qui sont assez vastes. Alors ça va sûrement toucher plusieurs de tes domaines, Dominique. Mais il y a Adrien qui nous demande du fait de ta multicasquette, comment tu fais tellement de trucs, comment tu fais pour gérer ton temps? Alors ça, c'est la première question d'Adrien et on a une deuxième question un peu dans la continuité. J'y sais des gens Ouais. qui nous demandent comment tu as géré la période Covid avec toutes tes activités, comment tu as géré ça? Alors, pour répondre à la question d'Adrien sur l'organisation du temps, en fait, une journée, elle a un temps limité. Ah oui. Et du coup, sur une journée, je ne fais pas toutes les activités. En fait, je travaille par période. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, par exemple, je prépare là des concerts pour le mois de février où je vais diriger du Tchaïkovski et du Rimski-Korsakov, tu vois, D'accord. Scheherazade, tous les trucs de ballet. Quand je dirige un orchestre, j'aime bien pour moi, pour mon travail, la connaissance de l'œuvre et tout, diriger par cœur. Donc, t'imagines le boulot de connaître la partition de par cœur quand tu diriges un orchestre, c'est quand même un travail conséquent. Mais ce travail-là, tu vois, je le fais de façon très ponctuelle. Je vais y passer, consacrer quelques heures de temps en temps, tu vois, dans la semaine, là maintenant. Mais quand je vais m'approcher de la période des concerts, dans ma tête, je vais vraiment rentrer là-dedans. Et quand je vais approcher les concerts, la semaine qui va précéder les concerts, je vais avoir quasiment que ça en tête. Et puis, par exemple, si je suis en train de travailler sur un projet électronique, de développer un truc, faire des prototypes, si j'ai des périodes un peu creuses, bah, je vais vraiment travailler là-dedans. Et puis les périodes un peu intenses où j'ai des arrangements, des choses à faire à droite à gauche, bah, ça va être un peu en stand-by. Et puis je vais jongler comme ça en permanence d'une chose à l'autre. Et puis après, bah, c'est vrai qu'on a souvent des temps un peu creux où. Bah, moi, je peux pas avoir du temps creux où je suis pas en train d'essayer d'apprendre ou de lire ou de regarder même des vidéos ou n'importe quoi, mais des choses dans des domaines qui m'intéressent et qui finalement me maintiennent accroché à la pratique musicale, à de l'histoire, à de l'électronique, à de l'ingénierie du son, à toutes sortes de débats. Enfin, voilà. Il y a quelque chose qui fait que je vais basculer un peu de l'un à l'autre. Voilà. Mais en même temps, je suis capable dans une journée de passer de Mozart au fer à souder et à Johnny Hallyday. Hein. Enfin, Bah c'est après assez c'est bien bizarre hein, parce des que fois, mais voilà. tu meubles ton temps quoi en fait tu te dis que Oui, c'est ça. C'est-à-dire dès que que t'as un j'essaie créneau de de. disponible t'en profites pour dire tiens C'est ben là ça. je vais Et je fais travailler pas sur ça de façon ça très organisée. Hein. J'ai pas un planning défini. Alors là, je fais ça. Là, je fais ça. J'aimerais bien, mais je n'y arrive pas. Je C'est suis marrant quelqu'un qui ça met du bazar partout, mais j'ai besoin de ce désordre pour m'y retrouver, tu vois. J'ai accès à tout en permanence. Et donc, c'est un peu le désordre dans ma tête, à tel point que j'ai tendance à être insomniaque. Mais si je suis insomniaque, je vais pas mettre un truc. Je vais, comme je te disais, aller lire des papiers de l'AES. Je fais ça la nuit, tu vois. Ça me... C'est marrant parce que j'ai dans ce que tu dis, je trouve des points communs en fait avec. Tu parlais tout à l'heure de ton envie par rapport à ton père. C'est vrai que moi c'est pareil de mon côté. J'ai toujours un papa qui a été animateur de radio et forcément je suis tombé là-dedans. Il allait enregistrer les orchestres de variété musette à l'époque. Donc forcément c'est ce qui m'a donné envie de faire ça. Et c'est vrai qu'il y a toujours une source qui emmène vers cette passion. Et puis C'est vrai. sur la gestion de ton temps, j'ai l'impression que je fais pareil. Je ne suis pas forcément hyper organisé. Avec Antoine, on essaie d'être un peu plus carré sur la gestion du groupe. Mais c'est vrai que tenir un calendrier, déjà aussi, je ne sais pas si toi c'est pareil, mais moi déjà c'est contraignant, c'est peut-être Ah bah c'est frustrant hyper dur, aussi. mais ça se voit, ne serait-ce qu'en Ouais. regardant ma chaîne YouTube. Enfin, tu vois, les Ouais, vidéos, ça d'ailleurs, sort. on va y aller Enfin, de faire un temps en tour temps, il y après. en a trois qui vont sortir dans un mois, et puis après, il n'y a rien pendant 6 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, J'aimerais mais. faire plus, ça me désole, mais en fait, je manque de temps pour vraiment faire les choses de façon suivie. C'est un peu difficile. Mais bon, en même temps, c'est un mode de fonctionnement. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, je fonctionne Ouais. comme ça, et c'est comme ça aussi que je suis performant de travailler parfois dans l'urgence aussi. Par exemple, tu vois, cet été, j'ai travaillé avec Amaury Vassili, on a fait son dernier album, là, qui est sorti la semaine dernière.
C'était un album de best-of, donc il y avait une quinzaine de titres qui étaient déjà existants, il n'y avait rien à faire, mais il y avait, pardon, il y avait cinq titres complètement nouveaux à faire, et ce n'était pas des basses batteries, c'était de l'orchestre symphonique. Ah oui. À faire en gros en une semaine, cinq arrangements symphoniques à écrire, à produire, à enregistrer, faire les voix, mixer, masteriser tout de A à Z. Ouais. Le truc, ça s'est fait en 10 jours. Voilà. Ouais, Donc, effectivement. tu vois, c'est des trucs, tu es obligé de travailler dans l'urgence, t'as une espèce d'adrénaline, tu dors 3-4 heures par nuit, puis à la fin, quasiment, tu dors plus. Tu sais que tu arrives un peu sur tes limites, et puis hop, après, tu fais un peu le vide, et puis tu as une semaine derrière où tu es bon à rien. Et ben, la semaine où je suis bon à rien, je la rentabilise en faisant d'autres choses plus Ouais. cool, en allant débugger des trucs dans l'électronique, où je sais que il va peut-être me falloir 2, 3, 4 heures pour trouver une panne dans un truc. Bah, je vais chercher, si je trouve la panne, tant mieux, si je la trouve pas, tant pis. Mais en fait, faire vraiment, tu vois, le vide à rien faire, Bien sûr. j'y arrive pas, en fait. C'est une espèce de suractivité tout le temps, comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que finalement, j'arrive un peu à tout faire le mieux que je peux. Ouais. Bah oui, bien sûr. Voilà. Pour répondre un petit peu à la question de Jean-Christophe, Ah, sur je faisais un petit le coup, passage sur ta chaîne YouTube, hein, ah Delta oui. Sigma TV. Je pense que du coup, ça va peut-être amener une réponse à Jean-Christophe. Est-ce que tu as, par rapport à la période Covid, est-ce que ça t'a permis de développer plus de vidéos? Exactement. En fait, C'est ça? D'accord. tu fais bien d'amener là-dessus parce que avant les premiers confinements, la chaîne, c'était vraiment une espèce de fourre-tout qui me servait un peu pour pouvoir mettre des vidéos quand je voulais montrer des trucs sur Audiofanzine par rapport à l'activité que j'avais et aux discussions qu'on avait sur les forums à l'époque. Mais il n'y avait pas vraiment d'organisation et je cherchais pas vraiment à développer. Et en fait, j'avais l'envie quand même depuis un moment, mais je savais pas trop comment faire ça. Et quand le confinement est tombé, que j'ai dû rester enfermé pendant un mois, comme tout le monde, chez moi tout seul, je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion. Et puis je me suis mis à faire toutes les premières vidéos qui sont vraiment numérotées, tout ça. Ça date vraiment de cette période-là. Et bon, après, j'ai eu moins le temps de garder le rythme, mais j'essaie d'en faire régulièrement. J'ai continué d'en faire et j'ai encore plein de projets. Hein, j'ai plein de choses à Ouais, montrer. C'est pas j'imagine. les idées qui manquent. J'ai plein de trucs, même des rushs et tout, hein, filmés. Mais après, il faut les monter, tout ça, et ça me prend un peu de temps. Et il y a des projets. Il y a beaucoup de projets, trop de projets. Donc, mais ça va venir. Et du coup, Et sur la... juste aussi, tu vois, sur la période Covid, une Ouais. des choses, c'est vrai ça a été compliqué pour certaines personnes. Ça a été compliqué pour moi aussi parce que bah, tout ce qui était concert, répétition et Voilà, tout, c'est ce que j'allais dire. d'un coup, t'as eu, enfin, tout qui est annulé. Et puis même quand les confinements étaient arrêtés, les concerts n'ont pas repris tout de suite. Les répétitions avec certains ensembles, tu vois, je dirige dans des orchestres associatifs, je fais beaucoup de trucs aussi avec des amateurs et les amateurs pouvaient pas jouer. Pouvaient pas se rassembler, donc c'était compliqué, tu vois. Donc il y a eu des grosses pertes de salaire à ce moment-là. Ça a été une période compliquée. J'ai quand même eu la chance d'avoir, enfin dans le malheur, d'avoir une première puis une deuxième commande pour réorchestrer des opéras, vraiment, hein. D'accord. Donc Manon de Massenet, je sais pas si ça parle peut-être à ceux qui écoutent un peu qui sont un peu qui ont un peu de culture dans l'opéra. Le Manon de Massenet, c'est un opéra de la fin du 19e siècle. C'est un des grands chefs-d'œuvre de l'opéra français romantique. C'est une partition gigantesque, ça fait 500 pages. C'est un truc, c'est un chef-d'œuvre. Hein, voilà. Mais le problème, c'est que on pouvait pas mettre les musiciens, l'orchestre complet dans la fosse de l'opéra. Et donc j'ai une commande de l'opéra de Hambourg quand même, hein, qui est une institution qui est quasiment au niveau de l'Opéra de Paris, hein, donc c'est une maison d'opéra, c'est dirigé par Gustave Mahler à l'époque. Hambourg, c'est la ville de Brahms, c'est quand même une ville de musiciens, hein, voilà. Et donc j'ai travaillé pendant le Covid, pendant 3-4 mois là, toute la période septembre, enfin octobre, novembre, décembre, je crois que c'était 2020. J'ai passé des heures et des heures à recopier toute cette partition pour ensuite tout réorchestrer pour une petite formation, de façon à garder au mieux toute la musique, mais pour qu'ils puissent rentrer dans la fosse. Et voilà. Et c'est quelque chose qui a été après joué, retransmis en direct parce que là aussi le public pouvait pas venir. Et après, c'est l'opéra de Sarrebruck qui m'a commandé dans la suite Les Pêcheurs de Perles de Bizet. Donc pareil, c'est des chantiers titanesques, hein, parce que c'est pas un truc qui fait 10 pages.
C'est un opéra complet à tout réorchestrer, refaire tous les matériels d'orchestre, tous les conducteurs et tout. Donc finalement, c'est ça qui m'a occupé. Donc c'est du travail vraiment d'arrangement que je faisais chez moi. Du coup, bah, et du ça, coup ça a maintenu quand même, ça a un peu compensé, pas complètement, mais ça a compensé une partie des activités qui ont dû se mettre en berne. Ouais. J'ai une question, moi, Dominique. Du coup, quand tu dis je travaillais chez moi, alors du coup, le process, en fait, c'est que tu travailles, tu utilises quels outils? Est-ce que tu utilises des banques de sons symphoniques ou des choses comme ça? Alors, ça dépend vraiment de ce que je fais. Ouais. Par exemple, quand je fais du travail d'arrangement ou d'orchestration pure, typiquement, je vais plutôt travailler sur des éditeurs de partitions. D'accord. Puisque c'est la partition, l'objet que je suis censé produire. Dès l'instant où on me commande un arrangement ou alors un arrangement que je vais aller après diriger pour l'enregistrer, bah, s'il y a des musiciens, il y a besoin de partition. Donc mon travail, très souvent, ça consiste à faire le lien entre les sessions MIDI ou les programmations que des gens qui ont travaillé avant moi sur le projet ont pu faire et faire en sorte que tout ça, ça puisse être joué et transformé, encore mieux quoi, oui. Quand les musiciens vont le jouer quoi. Et donc ça, typiquement, ça va être des éditeurs de partition. Moi, je travaille avec Sibelius. D'accord. Je commence à me former à Dorico aussi, qui est très très prometteur. Ouais. Je suis pas encore assez à l'aise pour travailler vraiment professionnellement sur des projets. Je commence un peu, mais avec Sibelius, c'est un peu mon logiciel quotidien, si tu veux. Il est ouvert tous les jours sur mon PC. Je travaille tous les jours dedans. C'est Avid qui fait ça, je crois. C'est ça. Ouais. Voilà. Okay. C'est Avid. Et du coup, quand tu édites comme ça tes partitions, je le connais pas du tout, hein, ce logiciel. T'as possibilité d'avoir un rendu pour voir un peu comment sûr, ça sonne, bien sûr. Ça peut intégrer des banques de sons en VST dedans. Okay. C'est un peu lourd à l'usage, hein, on n'a pas la souplesse qu'on a sur un séquenceur, mais ça peut fonctionner. Ensuite, comme je fais beaucoup d'orchestres, il y a des banques un peu spécialisées pour les éditeurs de partitions. Notamment Note Performer, c'est un éditeur qui est vraiment dédié, Sibelius, Final ou Dorico, qui est assez léger, hein, c'est un truc, ça fait même pas, je sais pas, même pas un giga, et en fait, t'as des sons d'orchestre qui sont très réalistes, c'est pas aussi bon que des bonnes banques de sons d'orchestre qu'on peut utiliser. Pour avoir un rendu, quoi. Par contre, t'as un rendu qui est vraiment, tu écris des choses dans la partition, et tout de suite, le rendu, il est joué, enfin, c'est basé sur l'intelligence artificielle. Donc ça va interpréter le contenu de la partition pour savoir quelles sont les articulations qui vont être jouées, etc. Ce qui permet du point de vue du musicien qui orchestre dessus d'avoir vraiment un rendu qui est bien meilleur que le truc de base MIDI dessus. Donc ça c'est vraiment très très bien, hein. S'il y a des gens qui veulent travailler sur des partitions un peu symphoniques, je conseille, c'est pas très cher, ça vaut une centaine d'euros, c'est franchement, c'est un bon investissement. Alors après, j'ai toujours Nuendo qui est ouvert à côté. Ouais, qui parce que c'est vrai qu'il... Ouais, pour tout l'aspect son MIDI, voilà. Donc, je travaille souvent le main dans la main l'un avec l'autre. Typiquement, par exemple, si tu prends l'album, le dernier album d'Amaury Vassili, qu'on a fait là au mois d'août, les premières orchestrations, comme c'était que de l'orchestre, j'ai travaillé dans Sibelius. D'accord. Pour vraiment créer poser toutes mes idées, tout ça là-dedans. Donc souvent, je fais un premier piano-voix très très brouillon, une espèce d'ours comme ça, pour avoir la structure, les accords, les tonalités, voilà. Puis après, je mets toutes mes portées vides du score d'orchestre, et après, je commence à développer mes idées et à travailler ma partition d'orchestre là-dedans. Quand j'arrive à quelque chose qui est bien, ça me permet déjà de le faire écouter tout de suite à l'artiste, puisque il peut entendre déjà le rendu de l'orchestre, tu vois, donc ça permet déjà de se rendre compte. Et quand c'est très symphonique, c'est assez réaliste, donc ça donne vraiment quand même une idée. Et une fois que ça s'est fait, j'ai sorti les partitions, ça a permis notamment aux cordes d'enregistrer toute leur partie. Après, il y avait une partie programmation MIDI sur certains pupitres, là c'était dans Nuendo. Donc là, je prends des grosses, grosses banques de sons et des gros VST, contact, et puis là, je fais de la programmation note à note, travailler mes articulations, mes phrasés, mes key switch, mes machins dans tous les sens. Là, c'est vraiment de la MAO. Très dur. Très, très lourde, et c'est très, très long à faire si on veut aller dans le détail. Mais peut-être un jour, je ferai des vidéos sur la chaîne là-dessus, parce que c'est un sujet à part entière de faire sonner un orchestre en MIDI.
de façon Carrément. vraiment réaliste. Maintenant, on a des outils qui permettent de faire des choses, qui permettent pas de tout faire, honnêtement, et qui permettent d'aller vraiment, vraiment très loin. Et j'ai expérimenté des choses et j'ai même échangé avec des concepteurs de banques de sons quand, sur ce dernier projet, là, justement, hein, pour voir, je voulais tester un peu des choses et j'ai eu des résultats qui sont vraiment, vraiment bluffants. D'accord. Je crois que moi-même, en écoutant le truc, j'aurais du mal à savoir si c'est du vrai ou du faux. Et je parle pas juste Ouais, d'un quand coup de même. timbale ou d'un piano, quoi. Tu vois, je parle vraiment de pupitre entier d'orchestre qui joue. Donc, Pour dire que ça a bien il y a tout évolué, un quoi. art de programmation pour l'orchestre, pour obtenir un réalisme, qui passe, à mon avis, par la connaissance de l'orchestre. Et c'est, si tu veux, un peu là ma force Oui. en tant que compositeur et chef d'orchestre, orchestrateur. L'orchestre, c'est mon instrument de base, si tu veux. Donc, je connais le répertoire pour orchestre, je connais tout. Enfin, j'en ai encore des choses à apprendre, mais je veux dire, j'ai une énorme culture dans l'orchestre. J'ai ma bibliothèque de partitions d'orchestre, c'est un mur entier, si tu veux. Bah c'est Et c'est ton... que des partitions que j'ai lues, Ouais. étudiées, certaines, la plupart. Beaucoup, j'en ai dirigé. Donc voilà, j'ai fait toutes les classes d'orchestration. Donc je connais l'orchestre. Et donc aborder les outils MIDI avec ça te permet une finesse, un jugement dans la construction du phrasé, l'empilement des instruments, les précisions, les imprécisions de justesse, rythmique, etc., qui vont donner ce réalisme après. Voilà. C'est vraiment incroyable, ça a bien évolué, hein, parce que c'est vrai que Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors aujourd'hui. ça, pour moi, ça remplacera jamais des vrais musiciens, Ouais, mais heureusement. c'est très Ouais. complémentaire, très très complémentaire, et je m'interdis pas du tout, et Ouais, souvent je pense j'utilise en que complémentarité. c'est des outils aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu avec le Covid et tout ça, c'est des outils aujourd'hui qui, pour vous, qui êtes vraiment dans l'orchestration symphonique, d'avoir des outils pour travailler à distance, pour pouvoir dire, bah, même si aujourd'hui, bon, l'épisode Covid, on va dire, il est quand même un peu plus souple maintenant, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait encore quelque chose et qu'on se retrouve à nouveau confiné. Et c'est vrai que ça permet quand même de pouvoir travailler quand même à la maison, à distance, dans un premier temps. De pouvoir construire, donc c'est bien. Non, c'est bien. J'avais une question aussi, Dominique, moi, sur ton setup, en fait, sur ce que tu utilises. Alors, Oui. en termes de carte son, hardware, bon, hardware, je pense qu'on va avoir une petite partie un peu personnalisée après, mais globalement, voilà, un petit peu comment ton setup, un petit Alors, peu. oui, bien sûr, actuellement, je suis en train de faire des travaux pour monter ma régie du Ok. studio. Donc là, je travaille dans un setup un peu minimal, mais qui est... Enfin, qui potentiellement est à l'échelle d'une vraie régie de studio avec console de mixage et tout ça. Sauf que là, Okay. les consoles sont pas branchées, sauf qu'il y a plein de trucs qui sont pas installés du fait de la situation temporaire. Mais bon, disons que normalement, d'ici 2 3 mois, la régie devrait être à peu près terminée et je devrais retrouver une config terminée, enfin voilà, Génial. OK. utilisable. Mais actuellement, si tu veux, ma carte son, c'est une carte RME. OK. En PCI Express qui est dans l'ordi. Donc c'est une carte qui a des sorties en MADI. D'accord. Il y a 3 sorties MADI dessus. Il y en a 2 en optique et une en BNC, Ouais, c'est en la coax. Madiface. Non, pas Oui, Madiface. je sais plus, c'est la HDSP Ouais, c'est pas MADI la quelque Madiface chose. parce que la Madiface, je crois que... Non, Bon, oui, faut pas c'est dire de une carte bêtises. externe. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est vraiment en PCI. Ok. Et cette carte, elle a aussi des DSP, donc ça me permet de faire de l'EQ, de la compression. Il y a Compression, aussi EQ et délai, un je peu de crois. reverb, enfin, Ouais. ce qu'on trouve sur toutes les RME un peu récentes. Hein, maintenant, ils ont mis ça partout. Mais le truc qui est génial, c'est que c'est une carte déjà qui est en interne, donc qui discute direct par le bus PCI avec le PC. Ah ouais, Donc il n'y a complètement. pas les problèmes d'USB, de. Tu vois, il y a toute la couche de transmission entre la carte et le PC. C'est quelque chose qui est neutralisé. Donc C'est clair. pour une installation fixe, pour moi, c'est vraiment le truc idéal. Donc ça décroche absolument jamais. Le PC, il est en marche 24 heures sur 24. De temps en temps, il est en veille, mais j'ai jamais eu de décrochage. Ça fait plusieurs années que c'est dans le PC. Ça tourne vraiment Ouais, moi à la perfection. j'avais une Raidat, j'ai jamais eu de souci avec, c'est pareil, Ma c'est... carte précédente, c'était une Fireface 800 que Ouais. j'ai toujours, que j'utilise du coup maintenant en convertisseur à date. Mais c'est pareil, tu vois, c'est du matériel qui est vraiment très très bon. Le problème de ça, évidemment, c'est que, alors, c'est un pléthore d'entrées-sorties, hein, c'est 192 entrées, Ouais, c'est vrai. 194, 196 sorties. Parce qu'il y a une sortie casque derrière, et puis il y a une sortie AES en plus. Donc 192 entrées sur les MADI, 192 sorties sur les MADI, plus. Donc t'imagines avec ça. Mais tu vois, typiquement, si j'ai des séances de prise de son avec beaucoup de musiciens de l'orchestre à faire, j'amène Bien ma sûr. tour,
J'ai quelques racks et je peux mettre 40-50 micros. Enfin, c'est pas un problème. Après, il faut les convertisseurs, les préamps, mais techniquement, pour enregistrer ça, pour le rentrer dans le PC, c'est pas un Ouais. souci. Et du coup, Donc, en convertisseur, après, tu associes alors en ça avec... convertisseur, voilà, c'est ça le problème, c'est que t'as beau avoir super carte son, t'as des C'est petites ça. fibres optiques et tu fais quoi avec ça? Surtout que le MADI, c'est pas, voilà. Donc, j'ai une Orion, une Antelope Orion 32. Très bien, ok. Donc ça, ça marche super bien, 32 entrées, 32 sorties, ligne. C'est vraiment cool. Et dessus, j'ai des ports, il y a des ports ADAT qui me permettent de router dessus des convertisseurs ADAT qui sont des entrées ou sorties supplémentaires aux 32 que le convertisseur, que l'Orion convertit elle-même. Donc avec ça, je peux rajouter 8, 8, 8. Voilà, donc sur une Orion comme ça, en réalité, j'ai pas de 32, mais j'ai 56, on va dire, entrée-sortie accessible. Et ça fera l'objet d'un épisode sur la chaîne, parce que ça fait longtemps que je dois le sortir, il est presque fini. Mais j'avais récupéré une Orion 32+, donc c'est le même modèle, mais avec des petits DSP en plus dedans, qui était en panne. Il y avait des Eh sorties qui oui, marchaient pas, mais j'ai j'avais. bien compris où pouvait être la panne avant d'acheter le truc, donc je l'ai eu pour moitié prix. Et Ah, cool. en fait, bah, quelques coups de fer à souder, j'ai tourné toute la réparation, ça fera une vidéo. Bah, la Génial. carte, elle marche comme si elle était neuve. Et du coup, bah, ça m'en fait bah, 32 de plus, hein. Ok. 32 entrées, 32 sorties de plus sur un autre port MADI. Du coup, là, j'ai deux Orion 32 avec d'autres convertisseurs ADAT, on va dire, dessus. Donc, j'ai de la conversion autant que j'en veux. Là, je manque pas. L'idée, si tu veux, c'est que les Orion alimentent les consoles, les Tascam que j'ai dans le studio. Alors, bon, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est deux anciennes consoles des années 90, une M3500 et une 3700, que pareil, que j'ai eu en panne. Mais là, j'ai des vidéos sur la chaîne, hein, qui parlent un peu du setup. Mais n'hésitez Et pas. l'idée, c'est de pouvoir éclater les mix là-dessus. Et la 3700, elle a l'avantage d'avoir des VCA à l'intérieur sur les sous-faders et d'être pilotable en MIDI. Donc techniquement, je peux Ouais. faire des automations dedans et donc faire des automations post-compresseur et du coup, enfin, ça permet un routing de mix externe, hybride, qui est vraiment génial. Parce que là, je peux vraiment tout éclater, utiliser une console pour faire de la sommation, l'autre pour piloter les VCA internes, ou faire aussi de la sommation dessus. Enfin, je peux vraiment travailler dans tous les sens. Et la console, moi, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore quand je fais de la prise de son, Ouais. notamment pour gérer les casques, les retours et tout. Il y a zéro latence, ça marche super. Voilà. Donc, Bah, c'est c'est un peu vrai le setup, que ça tourne autour de ça, quoi. ton setup il tient la route parce que bon, on connaît bien sûr la qualité et la stabilité des drivers RME. Après, en termes de conversion, bon, RME c'est bien, mais ça a la réputation d'être assez froid, assez neutre. Et du coup, l'avantage avec cette config là, c'est que tu peux brancher derrière un convertisseur bah, de type Antelope, mais ça peut très bien être aussi autre chose. Ça, Et du c'est coup, ça. Et c'est vrai que j'ai pas à me plaindre de la conversion ouais. des Orions. Au départ, j'ai acheté on va dire, les éléments un peu l'un après l'autre. J'ai commencé par l'Orion toute seule. Donc c'est aussi une carte son, hein, USB qui Oui, fonctionne plutôt oui. bien et même très bien. Hein, mais au niveau de la stabilité des drivers et tout, ça a rien à voir quoi. C'est pas du tout au niveau de RME. Et j'avais beaucoup de bugs, de déconnexions, de trucs, fallait les relancer, tout ça, c'est un peu énervant. Ouais, c'est vrai que Depuis que c'est c'est... juste un convertisseur, Ouais. j'ai zéro problème. Bah, en même temps, bon, on le sait très bien, 32 canaux en USB, c'est pas possible. Ouais, Même en voilà. USB 3, faut être logique. Est-ce que ça fonctionnerait Ça mieux? peut, je pense que ça peut passer, mais Ouais. À un ça moment demande une donné, avec la optimisation du surcharge, setup. Ouais, c'est un ouais. peu délicat quand Mais même. bon, après, voilà, c'est vrai que je vois passer une remarque de Alexandre Shane qui dit que ça a une rétrocompatibilité vraiment incroyable. Et c'est vrai parce que moi, j'en ai gardé une pendant presque 15 ans. En PCI, je l'ai toujours. Je peux Ouais, toujours la remettre bah, dans mon PC parce que voilà, c'est clair. RME, C'est clair, ouais. c'est de la Tu vois, moi, Mercedes, j'ai quoi. Hein, donc. ma Firefly 800, j'étais coincé l'autre fois, je voulais l'utiliser et je voulais aller rentrer dedans pour régler un peu des choses sur le Total Mix. Mais j'avais pas de port FireWire sur le PC. Ah oui. J'ai dû remettre une carte PCI Express avec un port FireWire
Et là, elle marchait, mais comme au premier jour. Bah ouais, La Fireface 800, c'est une carte qui est sortie en 2004. Ouais. Ah oui, ça a été une grande. Ça a été une... Ils ont dû en vendre un paquet parce que moi, j'en ai vu passer quelques-unes. Hein. Ouais. Alors, de temps en temps, on voit des gens qui ont des soucis avec des condos d'Alim qui crament. Mais bon, c'est pas très, c'est pas méchant, hein, ça se change facilement, ça, et ça repart. Tiens, c'est juste la lime. Tu vois, tu parles de la Fireface 800, ça me fait tout de suite penser à notre invité, juste avant toi, Nicolas Maché, où je te fais un petit coucou et un petit bisou, Nico, qui fonctionne aussi avec une Fireface 800, tu vois. Donc, ouais, comme quoi. Et en fait, c'est dans les standards. Ouais, c'est clair. Actuels, hein. Ça a pas du tout à rougir. Ça fonctionne très très bien. Et tu sais, moi, je pense qu'on est arrivé à un moment où le matériel, depuis une petite dizaine d'années, depuis les années 2012-2015, le matériel de Home Studio est arrivé à un niveau de qualité qui est un niveau professionnel. Après, il y a toujours plus, moins machin, mais pour moi, dans ce qu'on est capable d'entendre dans des conditions normales, bien sûr. Honnêtement, même là, tu vois, j'utilise une petite Focusrite pour le micro, là, quand je te parle. Si à un moment donné je dois aller en vadrouille enregistrer un truc et que j'ai besoin de pas plus que deux micros, j'y vais avec ça. Dans une prod vraiment professionnelle, si la prise de son est bien faite, j'ai des bons micros bien placés dans une bonne acoustique et que l'interprétation elle vaut le coup derrière, j'ai bien réglé mes gains, ça sera pas la carte son le maillon faible. Hein. Bien sûr. Non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, en 2022, voilà, il y a quand même... On est vraiment bien lotis, tu vois. Et même les ordis de base, ils sont assez puissants, quoi. N'importe quel PC portable, de base, il est capable de... Ce qui pénalise tout ça aujourd'hui, c'est que je pense que les développeurs derrière, en matière de driver, et c'est vrai que RME est réputé pour ça, mais RME aussi, ils restent un peu dans leur zone de confort. Ils n'ont pas forcément développé des plugins associés à leur carte comme aurait pu faire UAD ou Antelope. Ils restent dans leur zone de confort. Ok, c'est super stable, c'est chouette. Mais après ça, les marques comme Antelope, que j'apprécie beaucoup, ils osent. Alors, ils se plantent. Oui, c'est vrai qu'ils vont se lancer dans des choses. Ils se plantent sur certaines choses, mais ils osent. Et c'est ce qui permet aussi en 2022 de dire aujourd'hui... Voilà, il y a cette carte son qui sort, elle est différente des autres, peut-être, elle rencontre des problèmes, mais on a un système de plugin intégré avec du DSP. Et tu vois, il y a quand même une mutation que j'ai observée, on va dire, ces 5-6 dernières années. Tout ce qui était carte son USB, tout ça, jusqu'il y a un certain temps, c'était vraiment du matériel de home studiste, sans que ce soit péjoratif, mais c'était vraiment plus pour des amateurs, voire des bons amateurs. Mais on approche chez soi une époque où on travaillait encore beaucoup, où les professionnels travaillaient beaucoup dans les studios. Et petit à petit, et je crois que le Covid a achevé ça, mais de façon magistrale, maintenant, beaucoup de professionnels travaillent chez eux. Et donc, ils vont pas s'encombrer avec des très très grosses configs énormes. Et donc, les cartes son, vont se doter de certains outils, tu vois, des cartes à au-dessus de 1 000 €, 1 500 €, il n'y en avait pas tant que ça quand même il y a quelques années, maintenant on commence à trouver beaucoup de choses, pour un public, on va dire, plus professionnel, qui peut mettre de l'argent dans du matériel, parce que c'est son métier, parce que derrière il a une rentabilité, et quand tu vois, je sais pas, moi, chez Universal Audio par exemple, c'est pas donné quand même leur carte, tu vois, c'est le matériel qui est... Quoi qu'ils ont sorti des petites interfaces un peu plus accessibles. Oui, voilà. Mais parce qu'après, ils sont allés conquérir le marché plus grand public, plus amateur. Mais moi, c'est vrai que j'ai changé. Je fais un petit coucou à Mathieu aussi de Antelope. Mais on a échangé aussi il n'y a pas très longtemps parce qu'on va, faire des choses aussi avec eux. Notamment un live qu'on projette sur le mois de décembre où il pourra aussi expliquer. Mais c'est vrai que, c'est vrai qu'Antelope... Tente des choses et ça marche plutôt pas mal. Le Dolby Atmos aujourd'hui se développe aussi encore sur la majeure partie des fabricants de cartes. Donc il faut oser. Après, c'est vrai que pour les gens qui veulent être tranquilles, RME, moi je dirais jamais. Disons mal que quand tu es dans une config, on va dire Home Studio, Project Studio comme ça. T'as pas besoin d'avoir un truc gigantesque. Mais oui, bien sûr. Je pense que beaucoup de marques, finalement, se valent un peu. Mmh. Et après, c'est une question de choix. C'est un peu le choix du cœur, le choix de quelques fonctionnalités, d'ergonomie, de... Enfin, voilà, c'est le nombre d'entrées. De bundle aussi.
Voilà, les bundles, c'est toute l'offre Parce qu'il y a que, autour qui va faire le... Maintenant, quand tu es dans une config un peu plus studio, comme moi, je suis en train de remonter la régie, là, bah, en fait, j'ai des postes dédiés, tu vois. J'ai vraiment la partie carte son, c'est vraiment le lien entre le CPU de l'ordi et les flux audio. C'est ça. C'est tout. Et c'est tout ce que je demande à ma RME. Voilà. Je demande rien d'autre. Du coup, pourquoi prendre des outils qui seraient multifonctions, avec plein de casquettes et tout, alors que je veux une tâche très définie? Ça sert à rien. Et c'est en ça où RME trouve bien sa place dans des très grosses configs aussi. Et c'est vrai que peut-être du point de vue home studio, carte plus modeste, bah, ça paraît peut-être un peu plus rudimentaire que des offres que Universal Audio ou Antelope Bien ou sûr. des marques comme ça qui ont des trucs, des offres un peu plus variées, tu vois. Puis il y a tout un côté commercial derrière. On parlait de bundle. Ah, Bah, il y a pas tu très cherches pas longtemps. forcément la même cible, hein. Oui, Oui, voilà, c'est c'est ça. ça. Il en faut pour Derrière. tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. C'est comme le mec qui a besoin d'une Renault et le mec qui préfère une Mercedes. C'est une Tu question de goût. vas, C'est une question ouais, de budget aussi. Moi, je trouve que genre, c'est bien parce qu'il en faut pour tous les goûts. Et ça permet à tout le monde, au final, de faire de la musique et de se faire plaisir. Donc, Exactement, exactement. Et c'est le au but. final, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir toujours le dernier truc parce qu'on se dit que ça va être mieux, mais en fait, c'est du point de vue du fabricant, il a besoin de justifier que son nouveau truc, c'est mieux et que ça te Bien rendra sûr. des services que tu peux pas faire avec l'ancien. Bah, Mais ce qu'il faut en vrai. surtout pas oublier, c'est moi, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais gamin. J'avais 14 ans, j'avais un petit clavier PSR Yamaha que j'arrivais pas très bien à faire sonner. Et puis j'avais un copain qui était accordéoniste avec un niveau largement au-dessus du mien. Et il est arrivé, il s'est assis derrière et pouah, il m'a sorti un truc. Je me suis dit, mais oh! C'est ça. Et en fait, ça résume tout. Ça résume que c'est pas le matériel qui fait la qualité de la personne. Exactement, C'est comment exactement. on s'en sert et le niveau qu'on a aussi pour s'en servir. Donc, C'est ça. Et je crois que de plus en plus, le matériel n'est plus le problème. Ah oui. Mais la grosse difficulté, c'est la formation des gens, c'est d'être capable. Quand on voit même les questions qui sont posées, hein, sur tous les groupes Facebook et tout, il y a des gens qui ont en fait devant eux une espèce de machine de guerre. Et au vu des questions, on comprend que ils sont très très loin Clairement. de. Enfin, C'est ça. et C'est des pas fois, je évident. me demande s'il faudrait pas plus travailler, je sais pas moi, avec GarageBand ou avec Audacity pendant quelques mois Bah ouais. pour vraiment, tu vois, se mettre vraiment et comprendre et en arriver un peu aux limites. Et après, quand tu prends des grosses stations de travail, après, bah là, du matériel un peu plus conséquent. T'as les bases qui sont suffisantes. Quand tu prends je sais pas moi, un Pro Tools ou un Cubase ou un Logic ou n'importe quoi, que t'as jamais fait de MAO de De toute ta MAO vie, avec, franchement, c'est galère Non, quoi, de c'est démarrer ça. de zéro complètement. Bah, surtout quand Ah tu bah pars de zéro dans Cubase, hein, c'est quand même un peu c'est tu plus sais pas ce compliqué qui c'est pas que... ce qui se passe quoi. Tu sais Antoine, pas où cliquer quoi. un petit tour sur le chat pour nous dire si Ouais, tu as j'ai quelques questions. Alors ça parle pas mal là, au niveau des cartes son et des Bah oui, convertisseurs, etc. sur un Forcément, mais ça, public. c'est des sujets sans fin, évidemment. Mais c'est Bien cool que sûr. ça fasse réagir. Et il y avait une question pour en revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, Dominique, sur le côté orchestration et arrangement MIDI. Alors que je retrouve le commentaire, c'est JC. Ah, Jean-Christophe Desjean, JC, ça? ouais. Ouais. Que je me trompe pas, je l'ai plus sous les yeux, mais je m'en souviens, qui te demande si tu avais des templates d'orchestration Orchestra. qui étaient faits d'avance ou pas. Alors non, je vais te répondre franchement, non, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les templates. J'ai essayé, franchement, j'ai essayé. Mais en fait, je trouve que ça me freine énormément dans la créativité. Ça fait perdre un tout petit peu de temps au début Ouais, je parce suis qu'il faut d'accord. reconstruire des choses. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas deux projets qui sont similaires dans leur structure. À tel point que, enfin, déjà, quand je fais de l'orchestration, moi, je travaille très très souvent sur des partitions. Mais vraiment, c'est sur la partition. Donc, bah, j'ouvre une nouvelle partition qui est vide. Puis je rajoute les instruments en me disant, bon, tiens, je vais mettre les bois par deux. Là, non, là, j'ai quatre cordes, là, j'ai machin. Je fais, tu vois, je distribue comme ça mes percussions, ce que je vais avoir besoin, mes cordes et tout. Et je commence à écrire, comme sur du papier à musique. Donc, ensuite, quand je fais de la programmation MIDI d'orchestre, par exemple, bah, je vais
souvent m'appuyer sur quelque chose qui est existant. Ça peut être typiquement les stems que je vais sortir de Sibelius. Donc je vais exporter depuis Sibelius mes cordes, mes cuivres, mes bois, mes percussions, mes pianos, etc. Je vais me les mettre comme des pistes séparées dans Nuendo. Ouais. Et puis j'importe le fichier MIDI dedans. Et après, je me mets... Alors, les fichiers MIDI, les pistes MIDI sont routées dans rien du tout. C'est juste pour les avoir en stock. D'accord. Ensuite, je me crée une nouvelle piste MIDI où je duplique, où je prends ma piste MIDI, si tu veux. Je la route manuellement sur le VST que je veux pour avoir le son que je veux en fonction du contexte. Et ça sera jamais vraiment toujours les mêmes choses. Donc, c'est là où un template, ça va me prendre 2 heures à charger une session avec 80 pistes. Moi, pour moi, ça sert à rien. Enfin, ouais, c'est ma façon de travailler. Après, chacun a sa façon de faire, hein. Bien sûr, je sais pas que c'est la bonne façon, hein, mais c'est comme ça que je travaille. Et je vais reprendre ma piste MIDI. Donc, j'ai les informations qui viennent de Sibelius, qui sont quantisées, qui sont en place. Et là, je vais la nettoyer, je vais commencer à travailler mes courbes, toutes les key switch, toutes les expressions map, etc. Et faire quelque chose d'assez poussé. Mais je vais faire ça vraiment manuellement. Alors après, de temps en temps, j'ai un projet où j'ai plusieurs morceaux qui sont similaires, dans ce cas-là, évidemment, je vais essayer de reprendre des choses. Je vais peut-être me faire dans Kontakt un petit template de mon rack chargé comme il faut, que je vais recharger dans les projets similaires parce que je sais que je vais utiliser cela. Ouais. Mais ça sera à l'échelle d'un projet, quoi. Mm-hmm. J'ai pas de template de base, quoi. Voilà. Ouais, il y a des photos qui défilent derrière. On en voit des beaux templates, mais c'est pas des templates. C'est vrai qu'il y a des photos, on a évoqué un peu l'aspect tourné, tout ça. Sur l'aspect, là, bah, tiens, la photo qui passe, là, que je vois, c'est les gamins qui sont en train de chanter. Ouais. Ça a été une de mes activités aussi très importantes. J'ai été pendant quelques années chef d'orchestre, associé et compositeur en résidence à l'Orchestre de l'Opéra de Massy. À ce titre-là, il fallait que j'amène des projets un peu originaux, un peu innovants sur le territoire. Et j'étais en charge notamment des activités musicales de l'orchestre de Massy à Grigny. Grigny, c'est une ville, on va dire, très sociale, un peu défavorisée, avec beaucoup d'HLM. Enfin, c'est vraiment une ville un peu pauvre, très hétéroclite au niveau des nationalités. C'est vraiment un public particulier. Et donc, moi, j'avais un peu une casquette d'aller proposer des projets là-bas pour... amener de la musique pour faire de l'éducation populaire et notamment aux plus jeunes. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai fondé la maîtrise de Grigny, donc un ensemble, un chœur d'enfants. Donc ils étaient une trentaine, hein, 30-40 enfants à peu près, des classes élémentaires. Donc je suis allé avec mon petit piano électrique sur les dos dans toutes les écoles de la ville, faire passer des auditions, recruter des gamins qui avaient jamais entendu autre chose que du rap. Et leur apprendre à chanter. Et puis toutes les semaines, ils avaient des répétitions de chant, des cours de FM, des cours de chant, etc. Et avec ces gamins-là, on a fait plein de concerts. L'année d'après, il y a la ville de Massy qui s'est dit « Ah, mais tiens, mais c'est pas mal, on pourrait faire ça chez nous aussi. » Du coup, il y a une maîtrise qui s'est fondée à Massy l'année suivante. Donc on avait deux groupes de 35 gamins, donc 70 à peu près à gérer. Et moi, en fait, j'ai fondé tout ça et supervisé tout ça. C'était assez génial. Donc, on a fait des concerts avec, notamment avec Ibrahim Malouf. On a fait des concerts à Paris au Cirque d'Hiver. Avec Malouf, on a fait les Victoires de la musique. Donc, ils sont allés sur scène. Tu vois, j'ai fait passer sur scène à la télé ces gamins qui venaient des cités. On a fait des concerts. Le concert, c'était les 10 ans de carrière d'Ibrahim Malouf à Bercy. On est allé à Bercy, on a joué à Bercy. Enfin, t'imagines, pour des gamins, jouer comme ça, devant, je sais pas, 10 000 personnes. C'était gigantesque. Donc, ça a été des moments assez, assez forts. Et je parle de ça parce que la dimension pédagogique, pour moi, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. Comme je disais, j'ai toujours enseigné. Mais je l'ai pas fait comme un truc à côté que tu fais comme ça parce que bon, tu vois, ça te fait une petite source de revenus, c'est le truc plan. En fait, j'ai vraiment toujours été passionné par l'enseignement. Et donc, j'ai fait énormément de stages d'été où j'allais encadrer des colos de vacances musicales, où je dirigeais les orchestres de jeunes. J'ai fait ça pendant des années, hein, des années, des années. J'ai même été directeur de colos de vacances, quoi, tu vois, carrément, quoi. Donc j'ai tout fait dans ma vie, je crois. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit que t'aimes partager parce que. Mais c'est ça. Et finalement, tu vois,
tout ce que j'ai pu faire sur Audio Fanzine, les Ben projets oui. et tout ça, qui ont été un peu le lancement de Delta Sigma, hein, quelque part. Ah ouais, parce Et que ouais, la chaîne YouTube, et puis tout ça, ben, finalement, c'est vraiment une envie très profonde de partager. Moi, j'ai appris, on va dire, les trois quarts de ce que je sais par les gens qui sont autour de moi, par le web, par les livres, par des gens que j'ai rencontrés. Et donc, quelque part, ben, c'est aussi, je crois, la mission de chacun d'entre nous, à un moment, Ouais. de retransmettre aux autres ce que nous, on a pu capter, évidemment éclairé par notre expérience. Hein. Puis il y a eu Voilà. une époque où on s'est un petit peu perdu, mais tu vois, je le vois parce que avec bah, tu vois, ce soir on a sur le live, on a Baba qui est avec nous, Oui, on bah a oui. Nico. Nico, alors ton pseudo Nico, c'est Nico97 sur Audio Oui, bien Fanzine, tu sûr. vois. Et Nico et Baba, c'est deux super Ah, personnes avec qui j'ai échangé c'est vieux ça, longuement c'est vieux, ça. sur ton On parle de choses qui ont forum. 15 ans d'âge. Ah oui, mais carrément. Et moi, je sais que, voilà, grâce à ce que tu transmets, j'ai beaucoup appris de toi. Moi, mon rack de studio, j'ai copié sur tes, sur ton rack que t'avais, tes trois racks que t'avais. Je me suis dit, tiens, Ouais. je vais reprendre à peu près le même genre. Enfin, voilà. Et on voit que t'aimes transmettre et c'est ça qui est chouette. Donc, en tout cas, merci pour ça. Bah écoute, Et c'est un plaisir, hein. moi, j'ai une question. Je vais revenir sur cette photo. J'aurais aimé que tu nous dises un petit peu sur Ah, cette photo. qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette photo? Bon, alors on a reconnu Stromae, hein, bien sûr, mais du Stromae, coup, si tu peux on nous me en dire voit un à peu plus. côté. Comme Oui. tu peux deviner, à la tête de la photo, c'était il y a quelques années quand même. Oui, c'est pas tout jeune. Ça Enfin, doit dater, je sais plus de quand ça date exactement. Je pense que c'est les années 2014, peut-être, c'était 2015, son 2000. dans les débuts de Stromae, du coup. C'est ça. En fait, Ouais. il venait de sortir, il était en train de sortir son premier disque avec le tube Alors on danse qui a Ouais, cartonné, qui l'a carrément. vraiment lancé en fait. Hein. Ouais. Et moi, à cette époque-là, j'étais sur un stage d'été avec des gamins, tu vois. Ça s'appelle les Orchestras d'Universel de Brive-la-Gaillarde. Donc, j'étais à Brive-la-Gaillarde. Ouais, t'étais C'est pas un loin de chez truc, il y a moi. des orchestres du monde entier qui viennent, et on fait un orchestre géant de 400 musiciens, et on est plein de chefs d'orchestre et tout ça. Et moi, j'y étais en tant que chef d'orchestre, compositeur et tout. Et donc, j'ai quelqu'un d'Universal qui m'appelle, qui me dit, voilà, Stromae, à l'époque, il était pas vraiment connu encore. Hein. Enfin, ça commençait un peu, mais c'était connu sur le web de ceux qui le connaissaient, quoi, mais c'était pas encore Ouais. ce qu'il est maintenant. Oui, donc il cherche un moyen de faire un clip avec un orchestre. Est-ce que tu crois qu'on pourrait faire quelque chose? On n'a pas beaucoup de budget. C'était le début. Universal, ils avaient déjà plus de budget. Ouais. Il n'y a jamais de budget, de toute façon, faut toujours faire sans budget. Et moi, j'aurais dit, mais là, je suis en ce moment avec des gamins sur un stage d'été. Peut-être on peut faire avec eux si voilà, ça ne sera pas un orchestre professionnel. Donc, il faut pas s'attendre à un truc nickel, parfait, mais c'est des gamins, et puis je suis sûr que eux seront ravis de le rencontrer. Donc, si on peut aussi aménager un petit moment de rencontre pour que ce soit pas soit un truc un peu sympa avec lui, je pense que c'est peut-être envisageable. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé ce truc-là, de faire une version symphonique de Alors on danse. Et D'accord. donc, bon, j'avais pas plus d'infos que ça, mais il fallait que j'écrive un arrangement. Donc j'avais préparé un arrangement et tout. Alors comme c'est une chanson très rythmique, électro et tout, j'avais joué avec les cuivres, faire un truc qui soit rythmique, tu vois. J'avais gardé le truc percu, les rythmes et tout. Et donc Stromae arrive la veille du jour où on devait filmer, enregistrer le truc. Et on se rencontre quand même, il devait être 23h30, minuit, tu vois, une fois que la journée est finie, que les gamins sont au lit. On se retrouve autour du piano pour que je lui montre un peu l'arrangement et tout. Et elle me dit, ah non, mais c'est pas trop ça que j'aurais en tête. Je dis, ouais, super. Et là, il me dit, j'imaginais un truc très cinéma, musique de film, plus avec une ambiance plus sombre et tout. Je dis, ah oui, ok, donc c'est le contraire exact de ce que j'ai fait. Je dis, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais te préparer un truc pour demain. Donc j'ai bossé toute la nuit comme un fou à refaire une orchestration. Donc tu vas sur YouTube, tu tapes Alors on danse symphonique, tu vas le trouver. Hein. Et donc j'ai fait ça dans la nuit, tu vois, ça a été vraiment. Mais comme très souvent, hein, tu sais, dans ce Ouais. métier-là, il faut être capable de réagir très très vite. En fait, c'est ça le truc, quoi. Si tu dis oui, d'accord, revenez dans un mois, Bien non. sûr. Voilà.
Hop, quelqu'un Et d'autre. ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident à gérer, hein. Travailler dans le, comment on appelle, dans le temps, en fait, hein, quand on te dit, voilà, faut faire ça Et donc, rapidement. à la suite de ça, bah, on a filmé, enregistré en live, hein, t'as l'orchestre qui joue, moi je le dirige, Ouais. Stromae qui est devant, face cam, avec l'orchestre derrière, qui joue vraiment, Je vais voir si je et peux le on... trouver. Ah oui, tu vas le trouver, ça. Et donc, ça a tellement plu, tellement marché, que après, quand il est parti en tournée, il a intégré la version comme ça. Et même aux Victoires de la musique, il a repris cet arrangement-là. Et encore dernièrement, il m'a redemandé les partitions pour le refaire jouer par un orchestre italien pour une télé ou je sais pas quoi, Bah avec je l'ai des au instruments un peu différents. je l'ai Dominique aux Victoires de la musique 2011, c'est ça? Bah ça c'est pas la version que je dirige, non, c'est une autre version. La version originale, Symfo c'est une autre version plus Alors on antérieure. danse version symphonique Stromae, c'est C'est celle-ci? ça. Ouais, ça doit être ça. Attends, je vais essayer de la Voilà. partager en mode Voilà, mais ça a été génial. On est Ouais. resté en contact Tu me dis après, si plus c'est ou moins. ça? Bon, C'est celle-ci? exactement. Voilà. Ah, génial. Voilà. Génial, Et là, tu vois, il y génial. a un bel orchestre. Et c'est toi qui diriges l'orchestre? Oui, c'est moi qui le dirige. J'avais fait l'arrangement. Les gamins étaient super. Ils ont déchiffré le truc. Ben, du coup, vous n'avez pas trop pu le bosser avant, hein. Donc, ils ont déchiffré S'il et se pousse un peu, enregistré direct. Hein. s'il se pousse un peu, Stromae, on pourrait te voir. T'es caché par. Peut-être qu'à la fin, tu dois me Pousse-toi, voir, peut-être à Stromae, la s'il te fin plaît, ou au début, je pousse-toi. sais plus. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ah, c'est génial. Bah écoute, tu sais, on arrive déjà à 1 heure Ah, ça passe d'interview vite. live. J'aurais voulu quand même qu'on fasse un petit rapide, que tu nous parles un petit peu de ton projet. On va laisser la vidéo, hein, de Stromae derrière tourner en Oui, boucle. on peut la laisser, oui. Que tu nous parles un petit peu Merde, on voit un de. peu là. Ouais, un petit peu, ouais, on voit les bras. C'est ça. Mais que tu nous parles un peu du projet Delta Sigma et puis bah derrière ce que tu fais, parce que moi je sais que t'es un, on va dire pas un ingénieur, mais t'es un génie quand même, parce que tu vois, il y a Nico qui Génie, vient je de sais pas, dire, c'est un grand mot quand même. bah, regarde, Nico, il vient de mettre, c'est une pépite Offenbach, j'ai appris beaucoup grâce à lui. Et c'est vrai, je te rejoins, Nico, je suis entièrement d'accord, moi aussi j'ai Mais beaucoup tu sais, appris. quand j'ai commencé sur Audiophanzine, j'y connaissais rien en électronique. Hein. Ah Rien, la loi d'Ohm, je ben connaissais pas, hein. Une ouais. résistance, un transistor, je comprenais rien, quoi. Ouais, bah Donc purée. j'ai appris comme ça, hein, sur le tas. Ouais. Et c'est en discutant, notamment dans les forums avec Babaorom, avec Bah toi, ouais. avec tout un tas d'autres personnes, que à un moment donné, je commençais à comprendre des choses. Et quand tu comprends des choses, moi j'ai cette envie de les partager, quoi, tu vois. Et le fait de chercher comment les réexpliquer, ça te force aussi à mettre de Ah l'ordre dans oui, ta tête, tout à dans ce fait. que tu sais, et à aller plus loin que juste avoir l'impression d'avoir compris. Et du coup, c'est de là que sont partis les premiers projets, notamment le préampli, le Midnight, qui est Ah un oui. vieux projet, hein, ça date de, Oh ouais, je me rappelle. je crois c'est 2014? 2000, peut-être 2014, ouais, un truc comme Ouais, j'ai ça, envie de tu vois, dire ça fait 2014, 8 hein, ans de... déjà. Ouais. Et donc ce projet, au départ, c'était pas l'idée de faire un truc, de le vendre et tout, c'était juste de faire un projet. Donc, sur les forums, il y a tout encore, hein, les gens peuvent aller le trouver. Et tout est décrit de A à Z de la conception du circuit. Et à la fin, ben, on le construit et ça marche, quoi. Et on a un truc qui Ouais. vient. Et Et on a t'avais compris en le faisant, ben, les bases, évidemment, ça ne rentre pas Ouais. dans les détails d'un niveau au-dessus, mais ça permet quand même aux gens d'avoir vraiment les bases d'un circuit électronique, de comment ça marche, le gain, l'amplification, symétrique, asymétrique, les alimentations, un condensateur, les composantes continues, enfin, vraiment les fondamentaux, quoi. Et finalement, cette chose-là, ça a tellement pris de l'ampleur à l'époque, bah, j'ai eu des commandes, alors j'ai fait des PCB, C'est j'ai ça. vendu des kits. En fait, c'est pas quelque chose que je cherchais, mais les gens qui avaient suivi les échanges pendant des semaines et des mois, ça les intéressait. Puis c'est pas un produit qui était très cher finalement, parce que moi je me faisais pas d'argent, j'avais pas une marge vraiment là-dessus. C'était juste la manutention, quoi, tu vois. Donc les PCB, les composants, et hop, les gens se les montaient chez eux. Et à tel point que c'est devenu, enfin, mon activité Delta Sigma, hein, c'est devenu, outre que mon studio, c'est devenu une marque. Une marque confidentielle pour l'instant, peut-être ça deviendra une plus grande Ouais. marque plus tard, mais c'est devenu une marque de matériel et donc j'ai développé quelques produits autour de ce préampli et puis d'autres choses. Il y a encore plein de projets à venir, notamment un octuple préampli piloté numériquement
qui est quasi au point là. Je suis sur les derniers petits trucs du proto et je vais en parler bientôt là sur la chaîne YouTube. Ça, je pense que c'est un produit qui pourrait intéresser du monde parce que dans un rack une unité, t'as 8 préamplis très haut de gamme et je pense que sur une V2 qui pourra sortir pas longtemps après, l'idée c'est de pouvoir depuis le smartphone piloter les gains, les préamplis, les alim fantômes, tout ce que tu veux, sur autant de trucs que tu veux, quoi. Donc tu te connectes en Wi-Fi direct sur ta machine et tu prends le contrôle de la machine. Donc tu vois, c'est des trucs un peu de ce genre-là. Ok. Bon, ça, je rigole parce que je suis en train de lancer juste derrière toi une vidéo aussi. Voilà, j'aime bien. Ben là, tu vois, on voit les préamps au-dessus et le gros compresseur, celui-là, ça, c'est bien. Je cherchais tout à l'heure en vidéo parce que je voulais J'espère en faire une machine que je vais pouvoir distribuer un petit peu, mais c'est quand même une machine très complexe. Et beau, je suis pas sûr que ce soit adapté pour du kit parce que c'est vraiment du lourd dedans. Ouais. Mais peut-être que j'en ferai quelques unités. Peut-être un jour j'en ferai une série d'une dizaine numérotées, qui partiront. Alors on a Adrien qui nous dit j'ai pas encore de matos Delta Sigma. Ça viendra, Adrien. Ça viendra. Ouais, c'est super. J'ai aussi cette petite recording box que j'avais déjà montrée. Là, je l'ai pas sous la main, mais c'est cette petite boîte qui s'allume. Ça va pas tarder. Là, en fait, faut juste que je finalise 2-3 bricoles qui sont tout à fait annexes parce que le circuit, le produit, il marche nickel dans tous les softs. Enfin, c'est un truc qui est vraiment impeccable. Ça viendra, c'est des choses qu'il faut, c'est des choses qu'il faut aller découvrir. Hein. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Dominique. Et puis bon, Dominique est aussi sur France MAO. Je sais que tu nous suis, Bien sûr. Donc n'hésitez pas. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que le live est enregistré. Il va être bien sûr diffusé en public sur notre chaîne YouTube. Donc du coup, ça vous permettra pour ceux qui n'étaient pas absents ou ceux qui ont dû partir de pouvoir revisionner ce live. Mm-hmm. Voilà, j'ai l'impression qu'on arrive un petit peu au terme de ce live. Je sais pas, Dominique, si tu as des choses à rajouter. Écoute, on a fait un peu le tour. Ouais, je suis content. Oui, on a quand même assez. On parle un peu de moi, de mon parcours. Tout à fait. Il y a une chose qu'on n'a pas beaucoup évoquée, peut-être, c'est l'aspect compositeur. Oui. C'est vrai que j'ai. Si tu veux, on a encore un peu de temps, Dominique. Je veux pas non plus monopoliser. Hein, ah tu non, sais. Mais t'es notre invité. C'est toi le client, c'est toi le roi. En fait, si tu veux, moi j'ai ma passion, c'est vraiment l'orchestre. L'orchestre, ok. Et donc je compose pour l'orchestre et donc j'ai peut-être les gens se rendent pas trop compte parce qu'il y en a qui me connaissent soit en tant que dire un gesson ou arrangeur. Oui. Pour la pop comme ça ou électronicien, mais en fait j'ai écrit 4 opéras, je dirige des programmes symphoniques du répertoire classique tous les ans très régulièrement. J'ai une activité dans la musique classique qui est aussi très développée et là cette année il va y avoir normalement pas mal de choses qui vont être créer cette année ou recréer des anciens trucs qui vont être rejoués. Donc des compositions à moi, symphoniques, des opéras, il y a des choses qui vont être faites cette année. Je veux juste mentionner ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour moi, mais les gens ne savent pas forcément, en fait, dans ces réseaux, tu vois. N'hésite pas à relayer les infos sur le groupe. Voilà. N'hésite pas. Si t'as des posts, tu as la gentillesse de nous accorder cette interview. Nous, on est ravis. C'est moi qui suis honoré. Non, mais c'est nous surtout, quoi. Et n'hésite pas à relayer sur des posts, photos, commentaires. C'est un petit peu comme quand on partage les vidéos d'Étienne Tremblay, quand on partage les publications de Nicolas. Moi, j'estime que à France MAO, quand on nous accorde un interview, après, vous êtes, c'est la famille, vous êtes là. Et n'hésitez pas à venir, à venir commenter. C'est sympa, j'y manquerai pas. Franchement. Puis même si t'as des vidéos intéressantes de ta chaîne, n'hésite pas à partager. D'une part, vous, ça vous permet d'avoir un peu plus de visibilité et puis de montrer ce que vous faites parce que il faut le montrer. Il y a des choses. On sélectionne pas non plus. C'est pas qu'on sélectionne, mais aujourd'hui, on a lancé ce mode live interview parce qu'on veut mettre en avant aussi des personnalités qui ne le sont pas forcément beaucoup ou un peu moins. Peut-être qu'un jour, on aura des personnalités plus connues.
Mais aujourd'hui, voilà, faut mettre en avant aussi des gens comme toi qui sont surtout très modestes dans leurs publications, qui restent très réservés. Et voilà, quand on a eu la chance de travailler avec Florent Pagny, Stanislas, Françoise, il y a eu Françoise Hardy, Céline Dion, Julien Clerc, Calogero. Enfin voilà, on en oublie, hein. Mais bon, ouais. Je pense que voilà, faut en parler parce que quand même, c'est important. Et puis je crois aussi que tu m'avais parlé avec Michel Polnareff, t'imagines. Et ouais. Et tu m'avais parlé aussi de Philippe Sard. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Voilà, tu m'avais en parlé. En fait, Philippe Sard, c'est une rencontre qui a eu lieu en 2012. Ouais. Donc ça fait 10 ans. D'accord. Okay. Ça a été au départ, j'étais pianiste et je devais faire quelques relevés, quelques partitions pour une musique de film, pour une BO. Donc je vais à la séance, je joue les parties de piano et il y avait une autre copiste qui travaillait sur la musique du film. Donc comme on est un peu dans le même domaine d'activité, on discute un peu, on sympathise, on échange un peu. Et puis on s'échange les coordonnées. Quelques semaines après, elle m'appelle, elle me dit « Ah, là, je suis sur un projet avec le compositeur Philippe Sard de musique de film et je peux pas pouvoir le faire. Est-ce que toi, ça t'intéresserait de le faire ?» Je dis « Bah oui, ok. » Oui. Philippe Sard, je connaissais un peu de nom, mais... Donc, je vais voir sur Wikipédia, je vois la liste de films. Il y a, je sais pas, 150, 200 films. Enfin, c'est un truc n'importe quoi, la liste. Mais tu te dis « Mais comment c'est possible ?» Je lui dis « Waouh !» Là, il faut pas que je me rate, quoi. Ben ouais. Et donc, elle me dit « Bon, ok, je donne ton numéro à Philippe Sard. » Donc, il m'appelle. « Bonjour, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Alors, vous êtes sûr, hein ? Vous savez, il y a quelques musiques à relever, c'est pas très compliqué d'aller voir. Puis, il insiste hein, pour être sûr que j'ai bien compris. Je dis « Oui, oui, pas de souci, on se voit la semaine prochaine. » Donc, je viens la semaine prochaine, je le rencontre à Paris, je le vois. On se vous voit, hein, parce que tu vois, c'est... Oui. Voilà. Donc il m'explique, il me dit, bon, mais c'est pas très compliqué, c'est juste une musique qui avait été enregistrée il y a longtemps, mais elle avait jamais été utilisée, et puis les partitions étaient perdues, il faudrait réécrire les partitions. Donc je vais vous faire écouter. Alors il se lève, il y a un rack avec plein de matériel, parce que c'est un geek de matériel encore à l'époque. Ouais. Il me fait écouter le truc sur le DAT. Là, une espèce de musique complètement dissonante, des trucs lents avec des clusters de partout. Oh. 10 minutes, hein, le truc, hein. C'est pas 30 secondes, hein. Ouais. 10 minutes de musique. Je dis ok. Et puis, bon, on se donne rendez-vous pour la semaine suivante pour voir un peu le matériau écrit, quoi. Alors, il me dit, bon, je veux pas un truc exact à l'instrument près, c'est juste un sketch, juste un brouillon, après on va reconstruire, orchestrer la musique. Je dis oui, mais bon, quand même. Et donc, pendant une semaine, je peux te dire que j'ai travaillé, mais comme jamais, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Pour essayer de relever le maximum tout ce que je pouvais entendre dans tous les sens. Et j'arrive la semaine suivante, un peu fébrile, je lui donne mes partitions, tu vois, imprimées comme ça. Il regarde le truc dans le long silence et tout, il se tourne sur son piano, il pianote deux, trois trucs. C'était que des dissonances de toute façon, donc il pianote le truc, il regarde, il feuillette et tout. Puis à un moment donné, il pose la partition. Puis là, grand sourire, tu vois, détendu. Puis on a commencé à se tutoyer. Et puis de ce jour-là, mais ça a été une confiance totale. Ah, génial. C'est-à-dire que un mois après, j'étais à Londres, à Abbey Road, à diriger le London Symphony Orchestra pour diriger sa musique. La semaine suivante, j'étais en train de classer toutes ses partitions, 40 caisses de partitions, 40 ans de carrière, t'imagines, un truc de malade. Ouais. Et depuis, bah, je suis son orchestrateur, son chef d'orchestre attitré. Après, on a enregistré des musiques à Paris à Guillaume Tell. Bah, à chaque fois, il me disait « Ah non, mais tu prends tes micros, là, les micros que j'avais construits. Hein, » Les micros à lampe. C'est qu'on avait donc, à chaque fois que j'avais à Guillaume Tell, j'y vais avec mes micros. Tu ouais. vois. Il y a eu 47, les machins, c'est pas assez bien pour lui. Il veut mes micros qui sont uniques au monde. Génial. Bon, enfin, voilà, en tout cas, c'est... Ouais, donc, ça a été une rencontre formidable, tu vois, parce qu'on a... quelques générations d'écart, mais en même temps, quand on est ensemble, c'est comme si on était deux frères, quoi. On a la même conception, le même bagage musical classique qui nous vient du classique. Il connaît tout le répertoire, il connaît tout. Hein. Quelqu'un qui a étudié la musique, qui est pianiste à la base, ouais. qui était un excellent pianiste dans sa jeunesse, qui est compositeur aussi, comme je le suis. Du coup,
le dialogue, il est facile entre nous. Et donc, ça a été une rencontre assez formidable. On a toutes les musiques de films qu'il a fait les 10 dernières années, ça a été avec moi. On a encore des projets là qui arrivent. Ah, c'est voilà. Super. Enfin, en tout cas, écoute, je suis passionné de ce live de ce soir parce que j'ai encore découvert d'autres choses et puis je me rends compte que voilà, t'es. J'ai l'impression d'être trop bavard, moi. Non, c'est très bien. On aurait même pu faire plus long. Bon, là, il va falloir qu'on coupe maintenant. Mais c'est vrai que ça fait 1h20 et on pourrait encore en parler au moins pendant 1 heure. Et je pense qu'on aura encore plein de choses à se dire. Donc, c'est ça qui est génial. Écoute, si tu as envie un jour, moi, je reviens quand tu veux, sur des sujets plus spécifiques, si tu veux. Exactement. C'est ce que... Ça peut être des trucs plus techniques, C'est ce que j'allais te proposer, que ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être intéressant. Les gens dans les commentaires peuvent dire un peu ce qu'eux, ils aimeraient bien qu'on approfondisse. Ouais. Moi, je suis très, très ouvert et je suis pas assez actif sur ma chaîne, mais quand on me donne l'opportunité, comme ça, je viens tout de suite. Il n'y a aucun problème. On a un ami commun qui nous a rejoint, c'est VV. Donc, pareil, VV de Fanzine, Hervé. Il dit, tu devrais leur vendre quelques micros. Ouais, pourquoi pas? Je sais pas à qui tu dis ça, VV, mais... Enfin, en tout cas, c'est cool parce qu'il y a des gens qui passent, que je connais bien aussi, donc c'est super cool. Et puis, écoutez, je pense qu'on est arrivé au terme de ce live. Antoine, de ton côté, est-ce que tu... J'ai une dernière question. Allez, une dernière question pour Dominique. Pour clôturer le live, je ne sais pas si tu vas réussir à y répondre. C'est une question d'Adrien qui te demande au final, est-ce que tu ne serais pas un alien, Dominique? Écoute, je vais te donner des indices, après il se fera son avis. Je mange que des frites. Ah. Je mange que de la pomme de terre. Ah bon? Donc en fait, je suis pas un alien, mais tout ce que je produis, c'est issu de la pomme de terre. Voilà. Bon, demain, on va tous acheter des patates. Allez. C'est ça. Régime. Il y a un secret dans la patate. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je suis ravi. Je suis ravi de ce moment qu'on vient de passer ensemble et tu vois Antoine ça confirme qu'on va en faire d'autres parce que des moments comme ça franchement ça a pas de prix. Je pense qu'il y a plein de sujets qu'on va pouvoir développer, c'est cool. Moi je suis ravi en tout cas Dominique d'avoir pu te mettre un peu en lumière ce soir sur ce live avec Antoine j'espère qu'on pourra faire d'autres choses ensemble. Et puis écoutez messieurs, je pense qu'on va dire au revoir à nos auditeurs ou nos téléspectateurs ou nos live, je sais pas comment on dit, bref. En tout cas, merci de nous avoir suivis à tous. Moi je dis longue vie à Delta Sigma et à Dominique et puis plein de belles choses encore en projet pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci France MAO, merci à tous les gens qui ont vu, qui regarderont ça plus tard aussi. Voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger, de partager. Je me répète, mais c'est vrai que le live est enregistré, il va être remonté pour être mis sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, vous pourrez le voir en public. Mm-hmm. Messieurs, bonne soirée et puis merci à tous et on se dit au plaisir de repartager des choses ensemble. À bientôt. Merci. Merci les gars. Salut. Ciao. Salut. Ciao.